Bonjour à tous pour cette conférence. Donc aujourd'hui nous allons parler d'Apuley à Stephen King. Comment les monstres sont-ils devenus un produit de consommation banalisé? Mais plus largement en fait, nous allons évoquer tout ce qui est fantastique, le thème du fantastique dans la littérature aujourd'hui et par le passé. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Malloz qui est écrivain. Si tu veux nous présenter, enfin te présenter rapidement. Bonjour, j'écris oui principalement du fantastique et de l'étrange depuis longtemps, depuis l'adolescence, mais c'est un certain Christophe Thiel présent à cette table ronde qui m'a découvert entre guillemets. Donc j'ai eu mon premier livre publié chez lui, chez Malpertuis. Si mes souvenirs sont bons, c'était en 2014. Donc ça fait déjà un petit moment et depuis j'ai continué. Et je publie un peu à droite à gauche aussi. D'accord, merci. Ensuite, nous avons également Laurent Bottineau qui est écrivain. Vas-y, si tu peux te Bonjour. présenter également, s'il te plaît. Oui, Merci. bien sûr. En fait, bon, j'écris depuis que je suis tout petit, hein, donc mes textes ont beaucoup évolué, évidemment, au long des années. Comme Pascal, en fait, j'écris surtout du fantastique. Parfois, il y a des petites incursions dans la science-fiction et la fantasy, mais c'est surtout du fantastique. Avec mon exploration des peurs de l'humanité. Voilà. Et en fait, j'ai commencé à être publié dans un recueil collectif. J'ai répondu à un appel à texte d'un éditeur qui s'appelle Thierry Roulet. Donc, c'est les aventures inédites d'Harry Dickson, aux éditions du Masque d'Or. Donc, j'ai commencé comme ça. Après, j'ai essayé avec un éditeur canadien, mais ça n'a pas duré très très longtemps. Et là, je suis édité, j'ai un roman édité chez les éditions Maillard. Pour D'accord. l'instant. Ok, merci. Et Non, mais. dernier intervenant, Christophe Thiel, bonjour, si tu peux te présenter également. Bonjour, eh bien, moi je suis un grand amoureux du fantastique. J'aime beaucoup des écrivains comme Pascal Malloz et H.P. Lovecraft. J'ai publié effectivement le premier. J'ai eu le plaisir et l'honneur de publier le premier et de travailler autour du deuxième. D'accord, merci à vous. Je suis allé voir un petit peu sur Internet tout ce qui touche au fantastique. Donc la définition un peu classique, c'est ce qui est créé par l'imagination. Donc c'est un petit peu vaste. Et dans l'œuvre d'art, c'est tout ce qui traite d'éléments surnaturels ou non vraisemblables. Il y a donc, comme on l'a cité dans le titre, énormément d'écrivains. Donc moi, par exemple, j'ai lu La peau de chagrin d'Honoré de Balzac, qui est un roman passionnant sur l'élément fantastique dans la vie d'un homme ordinaire, on va dire, ou Les Nouvelles Extraordinaires d'Edgar Allan Poe, Le Pied d'Octobre de Ray Bradbury, puis évidemment, comme beaucoup, je suis un grand fan de Stephen King. Pascal, je crois que tu avais préparé plusieurs choses dont tu voulais parler sur le fantastique, peut-être si tu veux commencer. Oui, juste peut-être sur la définition. Je pense que c'est intéressant d'y revenir parce que parfois on m'a reproché de ne pas être assez fantastique, de ne pas avoir suffisamment d'éléments surnaturels, comme s'il y avait un catalogue prévu pour ce genre. Moi j'ai une définition un peu plus large, disons que à partir du moment où une narration induit une certaine confusion chez le lecteur, à partir du moment où il y a de l'ambiguïté, où on explore justement différents domaines de l'inconscient, on va vers l'onirique. Enfin, tout ça, c'est un boulevard pour moi où il y a beaucoup d'écrivains qui se retrouvent dedans, enfin, même des écrivains de littérature générale comme Kafka, même Dostoïevski, en fait, il y a des scènes de rencontres hallucinées avec le diable. Donc, pour moi, c'est un courant un peu plus large et c'est un peu dommage, je trouve, de le réduire avec une définition un peu trop stricte. Oui, tout à fait, surtout qu'il y a eu vraiment énormément d'œuvres au cours des siècles qui ont abordé plein d'aspects. Est-ce que vous avez peut-être soit Laurent, soit Christophe et... Bon, juste un peu rebondir sur la définition du fantastique. Ouais. C'est vrai qu'il y a plusieurs genres de fantastique. Il y a du fantastique un peu classique avec des monstres, des fantômes, des créatures vraiment définies. Puis après, il y a un fantastique qui va peut-être aller plus vers l'étrange, la déformation de la réalité. Je pense par exemple à un écrivain que j'aime beaucoup comme Guy de Maupassant.
Justement, dans ces voix, on ne sait jamais si ça se passe réellement ou si c'est le dire d'un personnage. Donc, effectivement, le fantastique, ça peut couvrir tout un tas de réalités, tout un tas d'expériences. Et à partir du moment où, justement, il y a une déformation de la réalité, où il y a un doute sur ce qui se passe, est-ce qu'on est face à quelque chose de rationnel, ou est-ce qu'on entre dans un autre univers? Là, le fantastique peut s'épanouir aussi, je pense, de beaucoup de manières différentes. C'est pour venir un peu sur le. Tout à fait. Christophe, est-ce que tu as une définition toi aussi, ou est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ces aspects-là? Oui, moi j'aimerais bien revenir à la racine, au sens étymologique du terme, à la racine du mot fantastique. Tout près de cette racine, on a deux autres termes qui sont assez proches, qui sont fantôme et fantasme. Bon, j'aurais envie de m'arrêter là en disant que j'en ai assez dit, mais bon, on peut rajouter que c'est vrai que beaucoup de gens ont développé des définitions, des théories du fantastique. On pense à Todorov avec justement, comme on vient de l'entendre, l'idée de l'hésitation entre surnaturel, pas surnaturel, ou au contraire de l'intervention du surnaturel. Je me sens plus proche, bon, c'est pas un hasard, hein, je me sens plus proche de ce que disait Pascal tout à l'heure au sujet de cette fissuration, cette fragmentation de la réalité et le sentiment, surtout le sentiment que ça produit, c'est-à-dire le fantastique, pour moi, il ne réside pas seulement dans les événements qu'on rapporte, mais surtout dans le ressenti du narrateur ou du lecteur, et ou des deux, à propos de ces événements. D'accord, oui, c'est très vrai. Après, donc sur le thème, est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est banalisé? Christophe, je ne sais pas si tu écris toi-même ou tu édites simplement? Non, moi je suis éditeur essayiste. Je D'accord. n'écris pas de fiction. Je fais travailler les autres dans ce domaine-là. D'accord. Et tu publies beaucoup de fantastique alors? Que ça, que ça. Ok. Donc, je sais pas, Laurent et Pascal, comment aujourd'hui concevez-vous l'écriture de fantastique? Pourquoi écrire dans ce genre-là? Est-ce que, enfin, je sais pas, l'un ou l'autre, si vous voulez expliquer votre démarche, ce qui vous attire dans ce domaine, ou si vous avez d'autres façons d'écrire, je sais pas aussi. Alors moi, en fait, bon, juste pour commencer, bon, rapidement, hein. Moi, en fait, ce que je cherche dans le fantastique, c'est vraiment une exploration des peurs de l'âme humaine. Moi, le fantastique, c'est une Donc, manière métaphorique d'explorer à la fois les peurs de l'âme humaine, d'une part par rapport au monde qui entoure, sur les phénomènes naturels violents comme les tempêtes, les orages, les phénomènes inexpliqués comme la mort, et aussi la peur par rapport à ses propres pulsions. Parce que en fait, je parlais tout à l'heure des créatures surnaturelles, sur les loups-garous ou les vampires. À chaque fois, ce n'est pas du délire. Il s'agit de métaphores des peurs. Le loup-garou, c'est la part bestiale de l'homme. Le vampire, c'est à la fois par rapport à la mort, par rapport aussi à tous les mystères de la sensualité, de la sexualité. Donc, à travers toutes ces créatures, c'est toujours une manière d'explorer les sentiments de l'humain et l'âme humaine, de sonder l'âme humaine. Moi, en fait, c'est ça que personnellement je cherche. Est-ce que j'y arrive? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est ce que je cherche à faire dans mes récits. OK. Donc, pour moi, le fantastique, en fait, c'est ce qu'il y a de plus proche de ma vision du monde, de la façon dont je ressens les choses. Paradoxalement, c'est vraiment un paradoxe, je trouve que le fantastique peut être un genre vraiment très, très réaliste, parce qu'il explore justement des sentiments que nous connaissons tous, hein, l'étrange, le fait d'avoir la sensation de vivre un peu dans un rêve. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait, c'est de trouver, de saisir des choses qu'on n'arrive pas à expliquer de façon prosaïque avec des mots simples, mais à travers une histoire. Et je pense que le fantastique a toute sa place aujourd'hui, à l'époque contemporaine, d'autant qu'on vit dans un monde vraiment de plus en plus absurde et où il y a beaucoup d'irrationnel. Donc c'est un genre qui permet justement de saisir, d'explorer, d'essayer de mettre une forme, pas forcément d'apporter des réponses, mais en tout cas de poser des questions, d'explorer. Ok.
Christophe, toi, tu cherches quoi donc chez un auteur qui te présente du fantastique? Est-ce que c'est un peu difficile à répondre comme question, mais c'est vrai qu'on disait peut-être que Stephen King Non. a beaucoup écrit de fantastique et a peut-être trop, on a peut-être trop fait un petit peu dans tous les domaines. Est-ce que d'après toi, il y a encore beaucoup de choses à faire, à découvrir, à Oui, essayer? il y a beaucoup de choses à faire. Alors, si tu me demandes ce que je cherche chez un auteur de fantastique, je vais faire une réponse évidemment tout à fait insuffisante et en même temps complètement satisfaisante, qui est la qualité, c'est-à-dire à la fois à travers le style, à travers les idées et surtout à travers sa capacité à construire une atmosphère. Je pense que enfin pour les bons auteurs, disons, on sera jamais déçu du fantastique, on n'en verra jamais le bout. On n'arrivera jamais au bout parce que il y a quand même une telle dose de chaque personne, de chaque auteur, de chaque individu qui met dans sa création que pour qu'on en ait vraiment fait le tour, il faudrait que les gens soient tous identiques, ce qui évidemment n'est pas le cas. Donc, tant qu'il y aura des gens qui écriront des choses authentiques avec leur propre vision, on aura de la nouveauté dans le fantastique comme on peut en avoir dans n'importe quel autre genre. Ok, oui, j'aime beaucoup ce que tu me dis. C'est vrai qu'en fait, chacun a des rêves et quelque part, au lieu d'écrire simplement sur la vie quotidienne, il y a une petite part de rêve ou une grande part de rêve qui peut rentrer grâce au Alors fantastique, ap qui peut rentrer après, après, dans. il y a deux approches, c'est-à-dire pour moi, la science-fiction ou la bonne science-fiction a beaucoup à voir avec la société et avec la politique. Et en revanche, le fantastique a beaucoup à voir avec la psychologie, avec l'individuel et avec la perception individuelle du monde. D'accord, oui. Voilà, je ne sais pas si... Donc là, si... pour rebondir un peu, effectivement, là, l'idée sur la différence entre science-fiction et fantastique est intéressante. C'est vrai que la science-fiction va plutôt s'intéresser à des questions peut-être collectives qui vont concerner une société, notamment par la confrontation d'humains avec des sociétés différentes, ou la manière dont les sociétés vont évoluer dans le futur. Donc, en plus, ces questions peut-être d'ordre collectif. Tandis que le fantastique va plus s'intéresser à l'individu, à la façon dont il pense au monde, à ses peurs. Donc, après, le fantastique peut aussi être plus collectif. Mais au départ, il y a une dimension plus individuelle dans le sens où il s'intéresse aux peurs vraiment de l'individu, de la manière dont elles vont influer sa vie ou rejaillir sur le monde extérieur. Donc On là, peut avoir effectivement des récits où c'est tout un groupe humain ou toute une société qui semble vivre un cauchemar. oui, ça peut aussi être le cas. Mais effectivement, cette différence entre le fantastique et la science-fiction me paraît quand même assez intéressante. C'est justifié. Je crois que dans la moitié de mes textes, il y a toujours une dimension sociologique, quand même, je pense, enfin par rapport au monde du travail, par rapport à, justement, comme tu disais, Christophe, un groupe qui vit un cauchemar éveillé, en fait, pourraient être les travailleurs, justement. Mais donc, ça pourrait être justement. Donc, ta distinction, elle est juste, mais elle n'est pas absolue. On peut aussi y avoir du collectif, on peut parler aussi de l'organisation de la société à travers le fantastique. Mais c'est vrai que le point d'entrée, il va toujours être, ça va être un narrateur, ça va être plutôt individuel. D'accord. Est-ce que vous avez des œuvres particulières qui vous ont marqué, que vous vouliez recommander aux personnes qui suivent cette conférence? Quelque chose qui vous a marqué, peut-être qui vous a motivé vraiment à... Voilà, Laurent, tu en as Ouais, parlé un j'ai. peu tout à l'heure. Alors moi, en fait, il y a Guy de Maupassant qui est vraiment un fantastique, un auteur que j'aime beaucoup. Et en fait, il y a un auteur que j'aime énormément actuellement, qui mêle à la fois science-fiction et fantastique. En fait, il est classé auteur de science-fiction, mais aussi beaucoup du fantastique, c'est Pierre Bordage. Ouais. Pierre Bordage, notamment avec sa trilogie des Guerriers du Silence. Il y a toujours ce mélange entre science-fiction, puisque ça se passe souvent dans le futur, et en même temps, du fantastique, avec des menaces surnaturelles, qui attirent également des réponses surnaturelles, et un aspect également mystique. Puisque d'un côté, Pierre Bordage, il critique beaucoup le fanatisme religieux, mais il est lui-même assez mystique, il y a une vision mystique du monde. Et en tout cas, c'est un mélange assez intéressant qui produit des textes quand même que j'aime beaucoup.
D'accord. Et Christophe, tu avais dit, tu voulais dire quelque chose, il me semble. Oui, bah évidemment, je voulais dire avant tout le monde les noms de quelques classiques comme Le Horla de Maupassant, Edgar Poe avec des textes comme je sais pas, Le Masque de la Mort Rouge par exemple. Évidemment Lovecraft, voilà quelques grands auteurs. Lovecraft, on peut dire La couleur tombée du ciel par exemple, bien malgré son côté SF, puisque c'est une chose extraterrestre, mais qui est traitée sur un mode totalement fantastique. Voilà quelques grandes bases venues du passé, mais toujours vivantes. D'accord. Pascal, je ne sais pas si tu as quelques influences aussi ou quelques œuvres dont tu voudrais parler, qui t'ont marqué. Alors, déjà, oui, quand j'étais mes premières, parmi ma première lecture, j'ai grandi à Bruxelles, donc là, qui est un peu une terre de l'étrange. Et notamment, il y avait Jacques Sternberg, avec des récits très courts. C'était une façon pour mon professeur de français de nous initier à la littérature, parce que c'était très court, donc ça se lisait vite. Et puis, il y avait un effet qui était saisissant. Il y a encore des nouvelles dont je me souviens aujourd'hui, et que je n'ai pas relues entre-temps, mais que j'ai encore bien gardées en tête. Après, dans des découvertes plus récentes, parce que disons bien sûr, il y a Blackwood, Algernon Blackwood, avec qui je me sens assez proche. Enfin, lui, c'est surtout la nature qu'il arrive à décrire d'une façon vraiment inquiétante, et il arrive à esquisser donc les forces naturelles, par exemple dans les saules, où il est dans une barque sur un confluent du Danube. Donc, bon, il y a Blackwood, il y en a plein d'autres, bien sûr. D'accord. Moi, pour ma part, c'est vrai que je repensais en préparant cette conférence à Cujo de Stephen King, où en fait, on a juste, il me semble, c'est une chauve-souris qui mord le chien principal dans le roman et qui lui transmet la rage. Donc, on ne sait pas si c'est quelque chose qui est vraiment faisable, qui pourrait arriver pour de vrai, en fait. On doute, mais dans le roman, ça se produit quand même. Voilà, et quelque chose de pas grand-chose, un chien qui a attrapé la rage et qui fait un roman qui est absolument incroyable, surtout dans la façon dont il a raconté. Voilà, c'est un des romans qui m'a marqué. Après, je vais vous taquiner tous un peu parce que je sais que vous avez parlé plutôt de choses assez sombres, de fantastiques plutôt un peu sombre. Donc, dans le thème de discussion cette année, c'était la Terre 2.0, c'est-à-dire si on repartait, si on devait faire quelque chose qui aille mieux qu'aujourd'hui, est-ce que le fantastique, d'après vous, pourrait aider à ce niveau-là? Est-ce que vous auriez des idées? Comment auriez-vous... Enfin, je sais pas si vous avez participé à l'appel à texte déjà pour le discussion de 2.0, la Terre 2.0. Est-ce que vous avez Alors présenté quelque chose? moi personnellement, j'y ai participé, d'ailleurs, mon texte a été retenu. Ah, c'est bien, bravo. J'ai hésité, hein, parce que je n'avais pas trop d'idées au départ. Bon, je réfléchis, mais il y a un petit texte que j'ai, bon, qui mêle beaucoup fantastique et science-fiction. En fait, appelé un texte, c'était plutôt orienté vers la science-fiction, Terre 2.0. Et moi, bon, j'ai pioché une petite touche de fantastique, donc j'ai réussi à faire un petit texte, rapidement. D'accord. Voilà. Et plutôt sombre ou clair alors comme texte? Ça commence de manière sombre et ça finit de manière plus claire. Ok, bon, t'étais dans le thème alors, c'est pour ça que t'as été Voilà. retenu. Oui, parce que le thème était quand même plutôt optimiste au départ. Il y avait quand même Bah oui, c'est ça l'idée avec tout vérifie un ce qu'on meilleur a vécu. optimiste. D'accord. Mais le début est un peu sombre quand même. Bon, Ça, on ne surfait on pas. sait ce que t'écris, ouais, voilà. Après, je sais pas, Pascal et Christophe, si ça vous inspire quelque chose sur ce qui pourrait être fait en fantastique, un Ok. petit peu peut-être le lendemain du fantastique. Alors, c'est plutôt le rôle, je pense, de la SF et de l'utopie. Je pense que c'est une très bonne chose de proposer des choses positives. Après, le fantastique, il permet aussi de faire rêver, quand même. Donc, il permet une échappatoire de se dire que voilà, le monde tel qu'il est, et certaines choses que l'on ressent, comme le voile d'une autre dimension, en tout cas de force en présence dont nous pouvons que nous pouvons sentir mais pas vraiment
saisir. Cette relation avec la nature aussi, enfin, il y a beaucoup de choses dans le fantastique qui sont aussi positives, je pense, qui sont sombres, mais après, c'est un art, c'est une recherche de la beauté. Et dans la beauté, même sombre, il y a quelque chose de foncièrement positif. D'accord, j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est très très poétique. Merci. Après, bon, juste pour revenir rapidement, c'est vrai que comme on avait parlé tout à l'heure, il y a presque autant de fantastique que d'auteur. C'est quoi, personnellement, ce qui m'intéresse plutôt, c'est plutôt l'aspect inquiétant, fantastique, c'est plutôt l'expression des peurs. Donc, moi, c'est vrai que quelque chose de vraiment positif serait plutôt pour moi du côté d'une certaine science-fiction. D'accord. Soit dans le fantastique, je suis plutôt intéressé par l'aspect inquiétant, par l'expression des peurs humaines, même si je suis parfaitement conscient qu'il y a d'autres genres de fantastique. Par exemple, il y a une nouvelle qui s'appelle La clé du tombeau, où je ne sais plus auteur, c'était dans la grande anthologie du fantastique, et qui n'est pas du tout effrayante. D'accord. Mais c'est vrai que moi, c'est plutôt l'aspect inquiétant qui m'intéresse. Oui, tout à fait. Christophe, sur ce thème-là, est-ce que tu voulais... Bah, je ne peux qu'apporter mon point de vue d'éditeur, hein. Donc, mon modeste avis par rapport aux auteurs, c'est que, voilà, comme je disais, le fantastique, il sera toujours là, il aura des couleurs différentes. Il a une tonalité que j'ai un petit peu de mal à prévoir, mais qui sera certainement bien réelle, au détour d'une ville du futur ou d'une manière de travailler ou de vivre du futur, etc. Que ce soit dans la direction de l'épouvante ou de l'émerveillement, mais j'ai surtout envie de dire aux auteurs, bah, étonnez-moi, quoi. Ok. Le message est passé. Ils pourront te contacter s'il y a des auteurs qui se reconnaissent là-dedans. Est-ce que, je ne sais pas, moi j'ai fait un peu le tour des points que j'avais notés. Est-ce que vous aviez d'autres aspects fantastiques dont vous vouliez parler? Peut-être la place du fantastique aujourd'hui dans le monde de l'édition. Je connais pas trop, mais j'ai l'impression que c'est souvent le passager clandestin. C'est souvent, on le retrouve parfois en plein milieu en littérature générale. Bon, alors bien sûr, il y a Stephen King qui est un peu la figure de proue. Il y a des petits éditeurs, vaillants, courageux. Après, voilà, dans les rayons, j'ai l'impression que de voir plutôt quand même de la fantasy et de la SF, mais peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Eh ben, c'est vrai que ça faisait partie du thème un petit peu de ce qu'on a abordé aujourd'hui. Le fantastique est un peu, ouais, ce qu'on disait a peut-être été un peu trop banalisé. Et après, je sais pas si le terreau est plus utilisé dans les autres pays. C'est vrai qu'en France, on a l'impression de pas en voir énormément. Moi, de mon sens à moi, je trouve qu'on le retrouve beaucoup dans les séries télé. Je pensais par exemple à Stranger Things. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça. C'est vraiment une très très belle utilisation. Bon, c'est assez inspiré de Stephen King aussi, je trouve. Mais c'est une très belle déclinaison, assez peu vue. Il me semblait aussi du fantastique. Je ne Après, sais un pas si vous voulez retour à la rajouter terre. quelque chose sur Stranger Things ou pas. Pas sur Ou Stranger Things, je d'autres pensais séries télé. par rapport à la place du fantastique, ben je pensais que le fantastique souffre un peu des préjugés, un peu comme la science-fiction et la fantasy d'ailleurs. Ils souffrent toujours peut-être de préjugés assez tenaces, de sous-genres, de genres simplistes. Et c'est vrai que peut-être dans certains pays, notamment en France, les choses sont peut-être un peu plus difficiles. Parce qu'il y a là aussi peut-être le préjugé comme quoi le fantastique est surtout un genre anglo-saxon. Alors je ne sais pas si ça c'est un préjugé qui perdure toujours. Mais c'est vrai qu'en tout cas, j'ai été étonné quand je fais ma recherche d'éditeur, parce que bon, je cherche toujours des éditeurs, de voir en fait le nombre d'éditeurs qui travaillent quand même dans l'imaginaire en France. Donc pas mal de mérites, qui sont quand même assez courageux. Bah, Voilà, si voilà, c'est quand beaucoup même. en fantasy, je sais pas trop en fantastique, mais c'est vrai que beaucoup en fantasy, on en voit plus. Là, par exemple, Albin Michel Imaginaire, il me semblait plus tourné fantasy que pour les autres domaines. Je sais pas si vous avez regardé un peu ce qu'il proposait. Non? D'accord. SF et fantasy, il me semble. SF quand même et fantasy, d'accord.
Après, je cherchais aussi un peu des œuvres un peu récentes en fantastique. J'avais pensé également, je sais pas si vous avez fait en jeu vidéo, parce que j'ai une formation moi très très jeu vidéo, au jeu Alan Wake, qui avait été publié il y a quelques années par Remedy. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors moi, je suis malheureusement totalement ignare en jeux vidéo. Tu peux D'accord. nous en Moi, parler j'ai vu justement, une ou Paul. deux Moi aussi. adaptations Ok. cinématographiques. C'est tout, Donc, en fait, dans Alan Wake, en fait, quand ils ont présenté le jeu vidéo, on avait vraiment l'impression, on se demandait est-ce qu'ils n'avaient pas travaillé le studio Remedy avec Stephen King, puisqu'en fait, on suit un écrivain qui est en mal d'inspiration et qui part dans les rocheuses américaines avec son épouse, pour un petit peu essayer de retrouver l'inspiration, prendre du repos et se remettre à écrire. Et sa femme est enlevée, et petit à petit, le jeu bascule dans une espèce de monde parallèle où on ne sait plus si c'est lui qui écrit l'histoire, si ce que sont les créatures, un petit peu les ombres qui apparaissent dans l'histoire. Et c'est à la base, en fait, le sens pur du fantastique, c'est-à-dire que on est dans le quotidien, dans une aventure pratiquement qui pourra arriver à n'importe qui, et petit à petit elle bascule, mais en fait on a l'impression qu'il n'y a que le personnage principal qui bascule dans le fantastique, et les gens autour de lui ignorent complètement ce qui lui arrive, quoi. C'était la définition à la base qu'on trouvait sur Internet du fantastique. Voilà, donc c'est moi je suis un grand joueur. Je fais également, je suis game designer, donc je conçois des jeux vidéo un petit peu en rapport aussi avec ce que j'écris en tant que romancier. Donc cet aspect-là du jeu m'avait vraiment impressionné, parce qu'il y avait une très très grande, en fait, implication littéraire, implication artistique. Je participe tout à l'heure à une autre conférence avec Hugo Bellagamba sur les jeux et les romans, et donc j'avais vraiment apprécié, en fait, tout l'aspect fantastique et tout l'aspect très très bien écrit, qui rappelait vraiment énormément le travail de Stephen King, puisque souvent dans Stephen King, voilà, on a des personnages ordinaires et un petit déboulé, voilà, de fantastique qui chamboule toute l'histoire, ou qui chamboule un petit peu, mais bon, qui marque de son empreinte les histoires. Voilà, c'est. Ouais, c'est intéressant. Si j'avais plus le temps, je m'y mettrais. Oui, après c'est vrai que c'est pas facile Ne peut pas tout faire. Le Non, quand problème on des jeux travaille vidéo, c'est le temps, quoi. Ça prend un temps inouï. Mmh. Je connais des Tout gens qui jouent aux jeux vidéo, ils me disent, mais c'est 120 heures pour un jeu, donc ça prend un temps incroyable, quoi. fait. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être une autre façon dont le fantastique il nous capte. C'est peut-être plus les jeux vidéo à l'heure actuelle que les autres médias. Bon, j'avais pensé aux séries, enfin, de mon point de vue, j'ai l'impression que les jeux vidéo, ouais, développent beaucoup, puisque le but du jeu, c'est de faire des choses un peu plus, permettre plein d'actions aux joueurs, en fait. Ce que permet le fantastique, il éclate un peu l'ordinaire, ce qu'on voit dans le monde de tous les jours, en nous en portant vers d'autres choses, du rêve, d'autres possibilités. Voilà, si vous avez d'autres éléments sur lesquels vous voulez discuter dans ce niveau-là, on parlait des monstres aussi, peut-être, voilà, est-ce qu'aujourd'hui il y a des monstres, je sais pas, qui vous ont marqué, ou vous voudriez traiter Bon, il faut dire un petit mot des monstres lovecraftiens qui ont eu quand même une énorme influence. Là, on peut dire qu'ils ont été banalisés puisqu'on les retrouve partout, on les retrouve en peluche, on les retrouve dans des dessins animés, etc. Mais c'est quand même à l'origine une inventivité qui est faite d'un mélange de réalisme, hein, puisque il y a beaucoup d'éléments qui ont été piqués dans des descriptions scientifiques, par exemple, simplement des bestioles microscopiques qui ont été grossies, et un mélange de flou, d'imprécision, hein, de descriptions un petit peu contradictoires, un peu impressionnistes. Et
quand même une nouvelle manière, au moins pour l'époque, et je pense qu'encore le côté novateur n'est pas complètement émoussé, mais une nouvelle manière de créer et de raconter le monstre par rapport à ce qu'on en faisait avant, comme le dit Lovecraft lui-même, par rapport à toute cette vieille faune un petit peu poussiéreuse, des loups-garous, des vampires. Alors après, bon, voilà, il peut y avoir des auteurs qui leur donnent des nouvelles fonctions, des nouveaux visages, mais c'est vrai aussi que toutes ces bestioles un petit peu anthropomorphiques, voilà, c'était bien de les dépasser. Bah, c'est vrai que moi, dans les recherches que j'ai faites, donc on parlait de Apulée, donc c'est au début de, enfin au milieu de l'ère gréco-romaine, où donc c'était la mythologie grecque et romaine, donc dans les métamorphoses des dieux, dans leur histoire, dans le monde courant. Et moi, j'ai toujours été impressionné par Lovecraft qui arrivait en quelques années à recréer, mais complètement, une mythologie de A à Z, là où qui pratiquement n'en emprunte à aucune autre. Et bah, c'est une très très grande force de son œuvre, je trouve, d'avoir créé complètement une mythologie, alors que il a fallu à d'autres des centaines d'années pour ces mythologies, enfin d'autres mythologies prennent vie, quoi. Oui, alors c'était pas non plus véritablement une ambition de sa part, comme il peut y avoir par exemple, je sais pas, Zola qui veut construire les Rougon-Macquart. Lovecraft n'a pas dit je veux construire la mythologie de Cthulhu, quoi. Il a ajouté des morceaux, il a inventé, il a rêvé, il a ajouté des pièces qu'il a un peu oubliées par la suite, il a emprunté. Et tout ça, c'est un peu une construction, plutôt qu'une tour Eiffel, c'est plutôt un palais de Feuilleteurs cheval. Oui, c'est plus éclaté, mais au final, oui, ça a quand même constitué une œuvre vraiment bah, qui a marqué tous les auteurs et qui reste Ben, assez impressionnante. ce qui me paraît surtout intéressant dans cet aspect, alors bon, c'est peut-être quelque chose qu'il est difficile de prendre comme modèle ou comme exemple pour d'autres auteurs, mais ce qui me paraît surtout intéressant, c'est l'utilisation de la mythologie comme outil et comme véhicule de la terreur et du fantastique. C'est-à-dire, au lieu de faire de prendre par exemple le danger physique comme ça se faisait avant pour véhiculer la peur, il utilise justement toute cette approche mythologique pour réveiller en nous des choses. Voilà, des choses qui font peur en général, mais pas seulement. Ok. Bah, c'est vrai que dans le monde où on est actuel, en fait, tout a beaucoup d'aspects. Par exemple, la place du christianisme, elle a été modifiée. Tu as beaucoup de gens qui sont aujourd'hui, qui grandissent, qui naissent athées et qui vont peut-être jamais aller vers comment dire, vers une religion. Peut-être qu'il a senti déjà à l'avance ce changement, cette façon différente de vivre les religions. En fait, là, Co c'est complètement. Excuse-moi. Bah, Non, l'un c'est après l'autre. par rapport à la mythologie, parce que, en fait, les premiers monstres sont les monstres de la mythologie, les monstres de la mythologie grecque. Oui, tout à fait. À la fois que ce soit des monstres qui sont des représentations des forces de nature, comme par exemple, je pense à Charybde et Scylla, qui sont des représentations des forces de nature, aussi bien des monstres comme le Kraken, les. Là, au départ, il y a tous les monstres mythologiques qui sont après retravaillés, qui sont. Enfin, moi, c'est vrai que j'aime plus ces monstres classiques. Par exemple, j'aime beaucoup le personnage du vampire. Le vampire, les loups-garous, j'aime beaucoup ces monstres classiques. Même si, effectivement, j'aime également beaucoup ce qu'a apporté Lovecraft. Effectivement, c'est intéressant de voir comment ces monstres ont évolué. Et surtout, une question qui est intéressante par rapport aux monstres, c'est de savoir, au bout du compte, qui est le monstre. Là, c'est une intervention peut-être plus récente dans la littérature fantastique. Je pense à un roman de Richard Matheson, Je suis une légende, qui imagine justement, dans un futur proche, tous les habitants de la Terre ont été transformés en vampires par un virus. Et il reste un seul être humain qui essaie de combattre les vampires. Et au bout du compte, c'est cet être humain qui va apparaître comme un monstre aux yeux des vampires qui sont devenus la majorité. Il faudrait tout de réfléchir, de savoir qui est le monstre. Et comment est défini le monstre? Il y a aussi un roman de Clive Barker, que bon, je ne connais pas nécessairement très bien cet écrivain. J'ai vu un roman qui s'appelait Cabale, qui est intéressant. Aussi cette réflexion sur est-ce que les monstres sont ceux qui, les créatures naturelles qui ont l'apparence d'un monstre, ou est-ce que ce sont les hommes qui les chassent? Oui, tout à fait. Et peut-être un peu dans la même Ça, idée. c'est une Oui. interrogation qu'on trouve déjà dans Frankenstein. Ouais, c'est ça. Peut-être, effectivement.
Oui, c'est vrai que c'est des mythes qui ont deux siècles maintenant, mais qui sont retravaillés, qui toujours. C'est toi qui disais Laurie, en parlant à la fois du loup-garou, en parlant du vampire, c'est des thèmes qui nous touchent régulièrement dans notre façon de nous comporter. On se dit, cette part de bestialité qui est en nous, cette part comment dire, de sexualité aussi, qui peut-être nous fait avoir des En fait, drôles de pensées, ce genre de choses. ce sont toujours des métaphores. Ces créatures, ce C'est sont pas ça. des créatures totalement délirantes, juste comme ça, puisqu'il faut faire des monstres. En fait, elles représentent certaines de nos peurs, une part de notre identité. Bon, le loup-garou, c'est évident, c'est la part bestiale, la violence bestiale totalement incontrôlée. Le Bon, le côté vampire, sauvage de sauvage. l'être humain, Le vampire, c'est la peur de la direction mort, puisque instinctive. bon, le vampire est immortel, donc c'est par rapport à la peur de la mort. Et aussi toutes les peurs que peut engendrer la sexualité. La sexualité n'est pas nécessairement quelque chose de rassurant, donc c'est tout cet ensemble de peurs qui sont. Donc les monstres, en fait, ils représentent toutes les choses. Il n'y a rien de gratuit dans les monstres. Ils ont toujours un aspect métaphorique, répandent toujours des peurs bien réelles de l'humanité. Ce qu'on disait au début, savoir que le fantastique était malgré tout entre parenthèses réel. Ce qui peut sembler que. C'est ça. Contradictoire, mais le fantastique exprime une réalité, la réalité des peurs. Ce que disait d'ailleurs Lovecraft. Lovecraft, dans son essai Épouvante et Chauterelle dans la littérature, quand il définit au tout début le fantastique, dit bien le sentiment le plus ancien et le plus profond de l'humanité, c'est la peur. Donc le fantastique ne fait qu'exprimer cette peur de différentes Ouais, manières. c'est ça. Ça, c'est. L'instinct de l'homme sauvage, quelque Entre part. autres, quoi, pour Pascal, sur les monstres, donc, parce que toi, je trouve qu'il y en a assez, enfin, de ce que j'ai lu, par exemple, des contes de Lavoisier, je trouvais qu'il y en avait assez peu, c'est plutôt les êtres humains eux-mêmes, ou je sais pas, les villes, les atmosphères que tu nous fait, tout à fait. présentais. Il y a très peu de monstres chez moi. Il y en a quand même un ou deux dans le nouveau recueil qui va bientôt sortir. Je ne l'ai pas encore lu, c'est Mais pour ça. en fait, si y a un monstre que j'ai cherché dans pas mal de mes textes, on peut rapprocher un peu de Kafka, c'est peut-être les structures sociales ou certaines normes. Donc c'est quelque chose justement d'un peu abstrait qui est difficile à saisir, mais c'est souvent chez moi le monstre en fait qui est souvent caché à l'écran. Donc en première ligne on voit des fonctionnaires, des gens un peu anonymes, mais qui en fait vont vous inquiéter parce qu'ils exercent une certaine pression sur vous, sur le lecteur. D'accord. Après, c'est vrai que les monstres, bon, on parlait de banalité, c'est vrai que les monstres, on les a vus et revus, mais je sais pas, j'ai l'impression un peu tous les 20 ans, tous les 30 ans, il y a des œuvres comme ça qui sortent un peu emblématiques. Moi, je pense au vampire d'Anne Rice qui avait fait un peu, voilà, qui avait impressionné par exemple avec les vampires enfants, ce genre de choses et qui. Bon, avec des super films aussi qui avaient été faits au cinéma. C'est vrai, voilà, il reste des choses à faire, même si on les a vues et revues. Et puis chacun. Ouais, vas-y, Pascal. Dis-moi. Une chose étonnante, j'en parlais déjà hier dans une autre table ronde. Donc il y a le livre des êtres imaginaires de Borges, où il essaye de répertorier toutes les créatures possibles. Et donc souvent, bon, ce sont des assemblages entre différents animaux. Donc bien sûr, d'où l'importance du poulpe, hein. Et ce qu'il disait dans sa préface, c'est qu'il s'était étonné à quel point finalement c'était assez facile de tous les tracer, les retrouver, les catégoriser, que finalement ils sont pas illimités en fait comparé au règne animal. Je sais que toi, Christophe, tu t'intéresses beaucoup aussi à la biologie, aux théories de l'évolution, que finalement les monstres imaginaires, ils sont pas si nombreux que ça, que notre imagination, quelque part, elle est quand même assez limitée, quoi. Bon, il y a le dragon,
Voilà, il y a les vampires, les loups-garous, mais on fait le tour finalement, même assez vite, malgré la richesse de certaines mythologies, malgré la richesse de folklore d'Afrique ou de slave, on finit par faire des listes qui touchent, qui arrivent à leur fin, quoi. D'accord. Je trouvais ça Le intéressant. problème du monstre, c'est que tu parles de biologie. Le monstre, il faut qu'il ait un côté vraisemblable, il faut qu'il tienne debout, il faut qu'il arrive à bouger, à se déplacer, et puis de préférence aussi à attaquer les gens. Donc forcément, on va converger vers des formes de vie qu'on connaît. Alors après, on pourrait aller vers des choses qu'on ne connaît pas, mais c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des thèmes qui reviennent, que ce soit dans chaque culture, comme le monstre ou aussi l'incarnation de peur, et que les peurs, malgré tout, finissent par se ressembler. C'est vrai qu'il y a toujours des thèmes qui reviennent. Puis aussi, ce qui est une évolution intéressante, c'est le monstre humain, le monstre caché dans l'homme. Là, je pensais notamment, pour toujours rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, au film La Nuit des Morts-Vivants, le premier film La Nuit des Morts-Vivants où il y a des personnes sont confrontées à des zombies, mais le pire danger à la fin viendra d'humains normaux qui tueront le seul survivant de la nuit d'horreur. Donc là, effectivement, il y a aussi toute une réflexion sur toute une évolution sur le monstre à forme humaine, aussi intéressante. Ça, c'est kingien, ça, c'est très Stephen King aussi. Lui aussi va chercher beaucoup de monstres chez l'homme. Ouais, tout à fait. Bah, c'est classique dans le fantastique. Et ça marche toujours bien. Ouais, tout à fait. Ben, on a cette phrase de façon qui est très connue où l'homme est un loup pour l'homme. Donc, c'est vrai que souvent l'un des monstres ou celui qu'on fréquente tous les jours et qu'on se demande un peu, voilà, si on n'a pas un qui a le virus ou si on n'a pas un qui nous cache des choses, ça peut être l'homme aussi. L'homme est un loup-garou pour l'homme, on pourrait dire. Ouais, aussi. Ouais, c'est vrai que réfléchir à tout ça me fait penser. Bon, c'est toujours en parlant des monstres, hein, même si en finissant sur l'homme, ça serait normalement la base qui permet de faire toutes les histoires qu'on voudrait. Je me souviens quand j'étais je sais pas, en maternelle ou en primaire, nos professeurs nous avaient passé un petit extrait de film, un truc comme ça, juste avec en fait une araignée qui rentrait dans une pantoufle d'une personne. Et ouais, ça traumatise un peu. Après, on se retrouve écrivain 30 ans après. Voilà, mais voilà, une araignée, un serpent, toutes ces petites choses qui nous font peur. On avait les corbeaux de Hitchcock ou ce genre de choses. Voilà, à la fois les animaux, à la fois les monstres mythologiques ou les monstres inventés, et l'homme au final, ça fait un peu un ensemble, comme tu dis, Pascal, de tous les monstres qu'on peut assez facilement répertorier. Et pourtant, ouais, on reste tous convaincus qu'il reste énormément d'histoires à faire, puisque le monde évolue, et puis la façon de l'appréhender, de l'écrire, d'en avoir peur ou de le vivre au quotidien, il va évoluer avec. Et nous de continuer à nous inspirer, nous donner, je suis sûr, beaucoup d'idées. Bon, ben là, en fait, là, je pensais à deux séries que j'ai vues récemment, deux séries plutôt américaines. Il y a une qui s'appelle Lost Girl, ouais, où c'est une femme qui a un pouvoir, qui tue indistinctement en absorbant l'énergie vitale des gens, et qui découvre qu'elle fait partie d'une communauté beaucoup plus vaste de créatures féeriques. Donc ça, c'est le point de départ d'une série télévisée en 5 saisons. Il y a 3 saisons qui sont disponibles en français, les 2 dernières c'est en DVD mais uniquement en anglais. Et ça c'est intéressant parce que c'est un peu une exploration de tous les folklores, toutes les créatures féeriques, de tous les folklores du monde. Il y a une autre série que j'ai également vue, plus récente, au départ c'était un film, c'est Sleepy Hollow. La série Sleepy Hollow où il revisite un peu l'histoire Ah ouais. américaine, l'histoire de la guerre d'indépendance, en C'est lumière beaucoup plus le cavalier fantastique. sans tête, c'est ça? Le Cavalier sans tête, Ouais. Tim Burton qui avait fait un film. En fait, il y a une série qui a été faite, mais qui n'a plus rien à voir avec le film de Burton. D'accord. En fait, la série, c'est très lié à la guerre d'indépendance américaine. Et on revient sur la guerre d'indépendance, et en y mettant une bonne dose de fantastique avec différentes créatures. Il y a Jack l'Éventreur qui apparaît, transformé. Et c'est vraiment très intéressant aussi dans l'exploration justement de toutes les mythologies,
partant à la fois de faits divers qui sont transformés de manière plus naturelle et de faits historiques par rapport à la guerre d'indépendance américaine, de personnages également qui sont transformés et qui permettent justement d'explorer toutes ces mythologies, toutes ces créatures de manière très intéressante. Ah, c'est vrai que c'est une source aussi d'inspiration pour d'autres œuvres. Il va rester à peu près 10 minutes. Je ne sais pas si vous avez encore quelques points que vous voulez aborder. Si voilà, le fait d'en avoir discuté comme ça tous ensemble, on a vraiment abordé beaucoup de sujets, beaucoup d'écrivains, beaucoup d'œuvres. C'est sympathique déjà. Si voilà, si vous avez encore quelques éléments que vous voudriez voilà, porter à l'attention des personnes qui nous écoutent. En Non. termes de monstres, parce qu'on peut, c'est le sujet de la Ouais. table. Je pense aussi aux monstres que peuvent engendrer les nouvelles technologies. Autant ça peut marcher en SF, je pense que ça peut marcher aussi en fantastique. Du coup, pour renouveler le stock de monstres, maintenant on a le portable, je pense notamment au délire de Cronenberg avec Videodrome, Ouais. des choses comme ça. Des choses monstrueuses, ou alors bon, il y avait aussi la voiture avec Crash, il y avait Existence avec un peu avec le jeu, mais c'est peut-être pas forcément des monstres, mais des monstruosités, on va dire, grâce aux nouvelles technologies. D'accord, oui, c'est vrai qu'il se rajoute en plus cet aspect-là, qui, sans être forcément science-fiction, comme on le vivrait au quotidien. Alors, en fait, pour rebondir un peu sur ce que dit Pascal, ça fait penser à un roman de Dean Koontz, qui est auteur américain que je n'aime pas nécessairement toujours. Mais là, il y a un roman qui s'appelle Midnight. Bon, je ne sais plus les détails, mais effectivement, il y a à la fois des monstruosités issues des nouvelles technologies et des monstruosités issues plutôt du passé. Il y a les deux aspects. À un moment, alors je ne me souviens plus exactement comment tout ça se met en branle, mais à un moment, les humains peuvent se transformer. Et certains choisissent de se transformer en des machines en créant de nouvelles monstruosités. Et certains choisissent de régresser, de devenir des monstres plus proches de la nature. Et le roman était vraiment impressionnant. Enfin, j'ai trouvé ce roman impressionnant, même si par ailleurs, je n'apprécie pas nécessairement tous les romans de l'écrivain, loin de là. Mais celui-ci, je crois qu'il s'appelle Midnight, m'a vraiment impressionné. D'accord. C'est vrai que Dean Koontz, en fait, c'est un écrivain qui, pendant longtemps, en fait, il écrivait un roman par mois, et souvent, ils sont pas assez développés pour rester vraiment un peu dans la mémoire. Ça se lit un peu trop vite, comme une BD, quoi. Sans critiquer non plus les BD, mais voilà. Oui, bah Stephen King a utilisé un peu les nouvelles technologies aussi dans Cellular ou dans Désolation. Je me souviens dans Désolation, en fait, le personnage avec son téléphone, il arrive à monter à 5 barrettes et il peut communiquer avec Dieu directement, ce genre de choses. Ça peut ouvrir tout un ensemble d'idées. Bah, chacun s'est approprié, en fait, soit à la fois d'un aspect qui peut faire peur ou d'un aspect qui peut, je sais pas, comment dire, influer sur notre vie quotidienne et soit nous aider ou nous apporter quelque chose de plus que ce qu'on a aujourd'hui. Moi, mes monstres préférés, enfin, c'est mon avis personnel, hein, mais Ouais. finalement, c'est ceux qui sont suggérés, en fait. Là, je pense que Christophe, avec Lovecraft, sera d'accord avec moi, mais je pense aussi à Wendigo, Blackwood, mais voilà, des monstres à peine suggérés, en fait, finalement, ils tiennent dans l'imaginaire des gens en deux, trois phrases. Qu'est-ce que c'est que deux, trois phrases? Donc, en fait, ce qui comptait, c'est l'atmosphère, la construction avant, la montée, la gradation. Ça, Donc finalement, est-ce que les meilleurs monstres n'existent pas? C'est ça ma question. de toute façon, de base, ils n'existent pas, hein. On a souvent En dit, tout en cas, fait, pas que visualisé. ouais, au cinéma, en fait, le fait de mettre un monstre dans la lumière du projecteur, il a souvent beaucoup perdu de son intérêt et de son aura de mystère. Donc, c'est vrai, comme tu disais, créer une atmosphaire, créer un sentiment de danger, de peur, c'est
tout l'art aussi de l'écrivain fantastique, même si, comme on a pu en parler aussi, il y a d'autres aspects que de faire peur dans le fantastique. Ça, c'est un don aussi d'arriver à créer ce genre d'atmosphère. Ouais. Effectivement, par rapport au cinéma, toute la question, c'est toujours pour le cinéma fantastique et d'épouvante, c'est toujours jusqu'où on doit montrer, qu'est-ce qu'on doit suggérer et qu'est-ce qu'on doit montrer. C'est toujours une tension entre ce qu'on doit suggérer et ce qu'on doit montrer qui fait la qualité de l'œuvre ou ses défauts. Et toujours la question que se pose justement le cinéaste et les auteurs aussi, bien sûr. Que doit-on montrer, que doit-on suggérer pour vraiment obtenir un effet, pour créer une atmosphère? Toujours cette question qui est très D'accord. importante. Voilà, donc il va rester que 5 minutes. Je voudrais déjà vous remercier tous les trois d'avoir participé à cette conférence. C'était super intéressant. J'avais préparé plusieurs choses, mais c'est vrai qu'on a vite fait le tour. Mais chacun avec ses idées a apporté beaucoup. Pour finir, est-ce que je peux me permettre de vous proposer de présenter un petit peu les projets en cours ou ce que vous allez bientôt nous proposer? Comme ça permettra, je pense, d'arriver au bout de cette conférence. Puis surtout, comme vous faites tous du fantastique, c'est nickel, c'est dans le ton. Laurent, si tu veux commencer peut-être? Alors moi, normalement, j'ai un recueil qui devrait paraître en septembre aux éditions de l'Arbre Monde, un recueil qui D'accord. s'appelle Les chants des flûtes nocturnes. Donc il devrait paraître en septembre et peut-être un autre recueil en octobre. Ça, faut voir. Ok. Mais effectivement, voilà. Donc des nouvelles, Des les deux. nouvelles, des Ok. nouvelles. J'écris surtout du court. J'ai beaucoup de mal à écrire du roman. En fait, il y a un roman qui est paru aux éditions Maya. Je pense que ce sera mon seul roman. Ok. Bon, les nouvelles, c'est bien aussi. Enfin, moi et Pascal, on est tous les deux novélistes, donc on dira jamais que les nouvelles, c'est pas bien. Absolument. Après, je sais pas, Christophe, si tu veux nous parler un peu de Oui, ce que ben, tu vas éditer prochainement, je vais parler ou récemment. un petit peu des dernières et des prochaines sorties de D'accord. Malpertuis. D'abord, je me suis un petit peu éclipsé le temps de vous montrer, je ne sais pas si on le voit bien, voilà, un très beau bouquin qu'on vient de sortir, Les nouveaux contes du whisky de Laurent Mantès, un recueil de nouvelles fantastiques, évidemment, inspiré par Jean Rey, évidemment, et inspiré également par un voyage que l'auteur a fait en pleine mer comme passager d'un cargo qui faisait le tour de l'Atlantique Nord. Et puis, bah, très bientôt, on a le livre de Pascal hein, qui sort le 20 juin, Soleil trompeur. Donc, pour une fois, au lieu de nous parler d'Europe centrale et de l'Est et de nous faire boire de la vodka, l'ambiance sera plutôt au pastis et au cigale, puisque l'ensemble de ces nouvelles se déroulent dans des paysages méditerranéens. Que ce soit en Corse, dans le sud de la France, en Italie, etc., ou en Afrique du Nord, avec une ambiance très, très différente, mais où le fantastique a beaucoup sa place également. Et puis après, on a encore d'autres projets, un recueil de nouvelles fantastiques, fantaisistes, je dirais, de Francis Carpentier qui s'appelle Mission à Bruxelles, un recueil de Claude Mamier, dit Claudio le Vagabond, qui s'appelle Il était une dernière fois et autres histoires de failles. Donc, si vous connaissez Claude Mamier, qui a déjà publié quelques trucs, dont chez Malpertuis, eh bien, vous connaissez sa qualité de conteur. Et puis, voilà, d'autres choses encore. Ok, j'aime beaucoup les titres. Ils sont très accrocheurs. Et donc, Pascal, alors, s'il te plaît. En dehors du recueil qui a été mentionné par Christophe, j'ai aussi une novella qui va sortir chez Ogmios en octobre, je crois. Ah oui, c'est vrai. Dans une collection, enfin, je trouve ça sympa le principe. Donc, c'est des textes assez courts pour 1 heure de lecture à peu près. Et là, c'est un peu hommage au nom de la rose d'Umberto Eco, mais sur une île au large de Cannes où il y a aussi des moines bien vivants que D'accord, je connais. Et donc, j'imagine les îles de une série Lérins. de meurtres. Voilà, Ok. j'imagine une série de meurtres sur les. À l'abbaye de Lérins. D'accord. Ok. Bon, mais je vais rester 2 minutes juste pour vous parler rapidement moi aussi. Donc j'ai deux ouvrages qui sont pour parler chez Ogmios Éditions. Donc on verra si ça sort à l'occasion. Et donc j'ai un roman de fantastique, un drame familial, mais un peu tourné fantastique épouvante aussi qui va sortir au mois d'août chez M+ Éditions, une petite maison d'édition sur Lyon.
Un petit Voilà. mot quand même pour parler Dis-moi. de notre anthologie annuelle Malpertuis, dont Ouais. la 11e édition va aussi très bientôt sortir. Il y a toujours un appel à texte ouvert pour toutes les personnes, y compris vous trois, mes chers amis, qui ont envie de nous soumettre une nouvelle fantastique. Donc, c'est à Volontiers. proposer à l'anthologiste Thomas Bauduret. N'hésitez pas. Voilà. D'accord, ouais, j'irai voir sur la page. Merci, Christophe. Bon, bah, on arrive au bout. Merci à tous pour votre participation. Beaucoup d'éléments très très intéressants. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne continuité. Merci. Il me semble qu'il y a encore une ou deux conférences pour certains Et puis d'entre vous. sinon, juste pour encourager tous les lecteurs à beaucoup de curiosité, parce que quoi qu'on dise, le fantastique est toujours un domaine en renouvellement, que ça, puisque ça part toujours d'une personnalité qui réagit par rapport au monde qui l'entoure, donc beaucoup de curiosité, parce que le fantastique se renouvelle toujours. Ok, je suis bien d'accord avec toi. Merci beaucoup à vous tous et puis Merci. à Merci à très toi. bientôt, j'espère, à Nice Fiction ou dans d'autres conférences. À bientôt. Merci. À À bientôt. bientôt. Au Bonne soirée. Au revoir. revoir. Au revoir. Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr. Les stands vous attendent sur notre serveur Discord. Pensez également à visiter nos expositions 3D et n'hésitez pas à intervenir dans le chat des conférences et tables rondes si vous avez des questions.